Bonjour tout le monde. Donc, nous sommes le mardi 31 mars, là, le 14e jour de confinement, donc ça fait 2 semaines complètes. Alors aujourd'hui, nous allons voir une séance de calisthénie qui va suivre directement en niveau de progression la précédente qui était abdos psoas débutant, où on a vu les roll-up et les V-up. Alors ben, le jour où vous aurez maîtrisé tout ça, voilà, vous pourrez passer à la séance qu'on voit aujourd'hui. Donc la thématique, ça va être tout un enchaînement, une routine pour arriver à faire le L-sit au sol. Donc hein, c'est en appui sur les bras, jambes à l'équerre, sans poser les fesses par terre, sans poser les pieds par terre, on est en appui que sur les mains. Alors pour pouvoir vous entraîner correctement pour la séance d'aujourd'hui, vous aurez besoin de supports surélevés. Le plus simple que quasiment tout le monde doit avoir, hein, c'est 2 chaises à mettre, voilà, côte à côte avec un écart au milieu. Vous pouvez poser les deux mains pour vous surélever, décoller les pieds dans le vide. Voilà. Plus le support sera haut, plus les exercices qu'on va faire aujourd'hui seront faciles. Idéalement, moi, vu que je n'ai pas 2 chaises, j'en ai juste une, alors j'utilise des parallettes à l'entraînement. Si vous en avez, bah, ça c'est le top. Pour faire tout ce qui est calisthénie, bon investissement. Et des parallettes semi-hautes, il y a des parallettes basses, mais celles-ci, on ne les utilisera pas aujourd'hui. Si vous n'avez pas de parallettes ou pas de chaise, vous pouvez, ouais, empiler des livres. Ouais. Objectif, avoir quelque chose qui soit au moins, ouais, hauteur, partie haute du mollet, on va dire, quoi. Un bon quasiment 30 cm de haut au minimum pour la hauteur de votre support. Voilà. Donc voilà, faites en fonction, préparez le matériel chez vous. Les chaises, c'est parfait, en vérifiant qu'elles soient bien stables au sol, pour ne pas les faire glisser, tomber, pas vous faire mal. Alors, donc on va démarrer la séance avec un petit échauffement, hein, articulaire habituel. Hein. Bien bosser les épaules, parce qu'il y aura beaucoup d'appui dedans. Et étirer les ischios, la petite montée en température. Donc on y va, la levée de bras. Inspire, on étire bien, expire, tire derrière. Une, deux, trois, quatre, étire les bras sur les côtés, relâche devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un cercle d'un bras bien large. 1, 2, 3. L'autre bras, la même chose. 10. Prends le bras dans l'autre sens, de l'arrière vers l'avant, là. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Petit cercle double, aller-retour. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4,
Et dernier, 5, extension, flexion de colonne, arrière, avant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Quelques inclinaisons latérales à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotation à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Cercle. Plus la 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Un petit cercle de hanche là. 4, 3, une petite quinzaine dans l'autre sens. Joint, petit cercle de genoux, une dizaine, 7, 8, 9, 10, dans l'autre sens. Okay. Là, on va monter en température, une série de 15 squats poids de corps, un pied largeur de hanche. On descend à fond, le plus bas possible. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Garde les pieds largeur de hanche. Et on déroule avec la colonne vertèbre par vertèbre, cervicale, thorax, lombaire, on est en bas, ce coup. Bien délié. Petit étirement. Des ischios, là de l'arrière des jambes. Lombaire. On secoue comme ça, une petite trentaine de secondes à peu près. Et on inspire, on monte, vertèbre par vertèbre en partant du coccyx. Bon petit squat, squat singe, petite série de 10. Là. Continue. Pieds joints. Alors si vous n'arrivez pas à les faire pieds joints, pieds largeur de hanche, mais là on atteint des niveaux, là en calisthénie, il faut pouvoir quand même les faire pieds joints, ceux-là, idéalement. Donc bosser la routine squat bébé là, pour débloquer vos hanches, si vous n'arrivez pas à descendre pieds joints accroupi, ce sera le moment en parallèle de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on démarre accroupi ici, pose les mains au sol, pince, 2, 3, 4, 5, 6,
Et 10. Inspire un dos bien le plus plat possible. On remonte avec le dos plat. Ok. Continue. Chauffer les épaules. Tu toniques. Donc on se met en position de plank, de gainage. Bras tendus, poignets et largeur d'épaule. Tends les jambes, pieds joints. Engage le centre, les abdos, légère bascule du bassin vers l'avant. Et la rétraction ici, circulaire, et protraction là. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. 10, 11, 12, 13, 14, 15, et on redresse. Suivant, continue sur les épaules, on va faire des haussements d'épaule, levé, pressé, en répétition, en appui. Donc soit sur les chaises ou sur les parallèles, comme ça. Je vais mettre à peu près largeur d'épaule. Garde les pieds au sol, oui, j'ai les jambes. Et là, plonge le plus. On rapproche les épaules des oreilles, oui, haussement. Et là, on se grandit après. Donc, là, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok, donc un petit échauffement. Bien préparé, on en fait un dernier dans les ischios, pieds joints, bonne inspiration ici, expire, on descend, garde le dos plat, pose les mains au sol, gardez maximum de longueur ici, et expire, on plonge, on arrondit. Inspire, redresse, on va pouvoir monter un peu plus haut si a besoin, expire, plonge. Avec. Plat, rond, 3, plat, rond, 4, le plus plat possible, rond, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et remonter. Voilà pour l'échauffement, préparation là, début de la séance. Donc, objectif là de la séance, hein, arriver à faire le L-sit avec les mains au sol, mais on commence sur élevé. Alors, je vais vous montrer les différents niveaux d'évolution. Si au cours de la séance, hein, vous bloquez sur un niveau, ça devient trop dur, vous continuez à pratiquer sur l'option qui vous est accessible. Et au fil des semaines, des mois, vous allez gagner de la force et de la souplesse, et vous pourrez petit à petit monter sur les options. Donc, ça vous permet de voir toutes les options de base, hein, force brute. Et entre chaque option, il y aura des exercices de souplesse, hein, parce qu'il en faut beaucoup aussi. Hein, plus vous serez souple, plus vous serez performant. Hein. Gagner une bonne souplesse d'ischio augmente votre potentiel de force sur tous ces mouvements-là d'abdos, de gainage avancé. On augmente sa force de plus de 30% grâce au gain de mobilité et de souplesse. Ce qui est loin, très très loin d'être négligeable. Hein, c'est ce qui fait toute la différence.
Là, à partir du L-sit, on arrive sur des mouvements où, si on a le moindre point faible en mobilité et en force, ça devient difficilement atteignable. Donc là, il faut les deux, même niveau. Pas de décalage. Hein. Pas la force ici, la souplesse à ce niveau-là. Les deux au même niveau. L'inverse, hein. Pas la souplesse en haut et la force aura des pas prêtes. Ça devient inaccessible aussi. Les deux, de manière égale, on a plus de faiblesse, plus de points faibles. C'est le but. Donc, voilà, prenez un chrono, parce qu'il y aura des positions statiques. Donc, je le mets. On le règle sur des temps de maintien à peu près, pour la plupart, ça va être 30 secondes. Il y aura des petites exceptions. Voilà. Le premier, ça va être le L-sit groupé bas, ça veut dire ouais, les jambes à l'horizontale. On cherche à avoir le genou, même hauteur que les hanches, de manière à ce que la cuisse là, soit parallèle au sol. Pas plus bas que ça, ouais. C'est-à-dire, ouais, si vous avez les genoux qui plongent comme ça, là c'est trop bas, levé, horizontal. Au niveau de l'appui, là dans les bras, vous voyez, les épaules pas comme ça, vous allez vous grandir, les pousser vers le sol, éloigner les épaules des oreilles. Hein, ce qui donne de face, c'est le petit exercice d'échauffement qu'on a fait ici. Donc la position d'épaule qu'on recherche, c'est là, pas là. Là, vous poussez au niveau du dos. On ne rétracte pas, on protracte, vous allez arrondissez un peu. Oui. Ici, on se grandit comme ça. Position du dos. C'est arrondi légèrement en boule. Dans les tendons, les muscles en étirement, vous allez être beaucoup plus puissant dans l'appui. Donc pour les L-sit, indispensable de prendre cette habitude-là. Et on commence donc avec le L-sit groupé bas. Objectif, il faut retenir 30 secondes dans la position. Et bonne respiration profonde. Donc voilà, je mets le timer en position. Et c'est parti là pour 30 secondes, donc grandissons. Toujours les genoux hauteur de hanche ou légèrement au-dessus. Garde les bras tendus. Et voilà, pause, 30 secondes. Vous avez fait ça directement, récup en souplesse. On remet le chrono à zéro, une pince debout, pieds joints, là, 30 secondes. On redresse après les 30 secondes. On refait un autre étirement au sol. D'une jambe cette fois. Pour une jambe par terre. Trappe la cheville ici. Lance le chrono. Allez. Donc cherchez ça, bras tendus, jambes tendues. Éventuellement, si vous avez de la marge. Ça, c'est le minimum d'amplitude dans cette position. Se dresse un peu dans le buste. Éventuellement, oui, vous pouvez tirer après vers vous. Chercher à aller encore plus loin. Qui peut le plus, peut le moins. Donc là, stretch ici, cherchez l'étirement. Attrapez la jambe, le pied, la cheville. Vous pouvez avec les deux mains. Voilà, 30 secondes, on pose. Faire la même chose. De l'autre côté. Attrape ici. Cherche à tendre. Si vous êtes là, que ça passe, on continue, on approfondit le plus profond au niveau de l'étirement.
30 secondes. Posé. Donc, voilà, ça c'est la première option F. L-site groupé bas. 30 secondes de pince debout. 30 secondes d'extension d'une jambe assise, d'étirement comme ça, des deux côtés. Et après, bah, on passe. Tente l'option suivante de force. Si vous n'y arrivez pas, bah, vous faites plusieurs tours là sur ce qu'on vient de voir, ce petit truc là. 4-5 tours. Jusqu'à développer suffisamment de force. Donc le suivant, ça va être le L-site groupé haut. Là, on va chercher à lever les genoux. Alors, celui-ci un peu plus virulent. On ne va pas chercher les 30 secondes. Là, 15 secondes vont suffire dans cette variante. Faire approximativement. On se met là. Là, vous levez les genoux vers la poitrine. Ouais. On a les hanches, les fesses pile entre les deux bras. Chercherai la compression comme les exercices d'abdos débutants de la séance précédente. Le tuck-up, là, vous voyez, genou poitrine. On cherche ici en appui et posé. Voilà. Et une bonne quinzaine de secondes, voire un peu plus. Vous pouvez monter à 20 quoi, si vous voulez de la marge et rendre les exercices suivants plus faciles. Donc, ça, L-site groupé version haute. Niveau 2 dans les L-site. On a terminé ça. On refait une pince debout. 30 secondes. Stretch. Et on relève. Voilà, de là, on repart, même chose, tirement d'une jambe ici, trentaine de secondes. Chercher vraiment le maximum d'amplitude de compression. L'autre côté, la même chose, par d'ici, étirer. Donc, hein, essayer de gagner vraiment le plus de souplesse possible dans ces mouvements. Maintenant, venez poser le ventre, la poitrine contre la jambe, prendre le menton contre le tibia, le nez. On approche. Plus possible de la verticale. Commence déjà à préparer la souplesse pour plus tard les V-sites et les niveaux avancés. Et pause. Ok. Donc, on a fait le L-site groupé haut sur les parallètes. C'était niveau 2. Niveau 3, la même, par terre. Alors, ce que je vous conseille, hein, c'est, si, ouais, c'est de diminuer la hauteur du support. Éventuellement, ouais, c'est poser des briques ou des livres. De plus en plus bas pour le L-site groupé. Ouais, comme ça. Ouais. Objectif, le niveau 3, en diminuant le support là, du L-site groupé haut, c'est arriver à le tenir avec les mains, même le sol, pendant, celui-ci il est plus dur, 10 secondes minimum. Si vous pouvez monter à 15, c'est parfait, mais 10 secondes, ça, on valide le niveau. Plusieurs tours, 10 secondes dans chaque. On commence à avoir une bonne base déjà de compression, d'appui à même le sol. On met le chrono, groupe, toc, hein, on groupe bien, genou poitrine, pieds joints, genoux joints, et on lève les fesses, les pieds aussi. On est en appui que sur les mains.
Celui-là n'est pas évident. C'est pour ça qu'on fait qu'une dizaine de secondes. Et après, poser. Voilà, j'en ai fait 20 quasiment. Mais 10 secondes suffisantes. Derrière, rebelote. Pince, 30 secondes. Pince debout, 30 secondes. On redresse. Là, puis d'après, variante. La position du sauteur de haie ouverte, hurdler, le wide hurdler, ouvre bien la jambe derrière, tendue devant, on se met en face. Stretch, hein, toujours on cherche à imposer ventre, poitrine, c'est parti là, 30 secondes ici. La même chose de l'autre côté. Bien, mes chronos à zéro. Et c'est parti. Voilà, il tire bien la colonne. Pose le ventre, pose la poitrine, pose le menton dans cet ordre-là. Un objectif, arriver là. Donc le minimum d'amplitude là dans ces mouvements pour arriver à faire le L-sit, c'est pouvoir ici, quoi, pouvoir attraper le pied avec les deux mains. Au moins ça en souplesse. Si vous n'avez pas ça, L-sit impossible. Donc hein, je vous le dis d'avance. C'est pour ça que je vous fais stretch, stretch, stretch. On étire là, entre les séries de force. Il faut en bouffer plein. Ah, étirer les ischios. Ok, donc on a fait les trois niveaux là, de L-sit groupés. On va passer au niveau 4, c'est les extensions d'une jambe en L-sit groupé bas. Donc là, petit exercice dynamique. Il va falloir garder un bon contrôle dans ce mouvement. Donc c'est tend une jambe, une fois qu'elle est tendue, on verrouille très légèrement une demi-seconde avant de replier. Donc, tout doucement en contrôle, en force. Le but c'est sortir de la force. C'est pas des coups de pied rapides, c'est tout doucement. Donc je vous le montre. On part du L-sit groupé bas et là on tend. Je cherche l'horizontale, oui. Une, en alternant deux, trois. Le talon hauteur de hanche ou au-dessus de la jambe tendue, quatre, cinq, six. 7, 8, 9 et 10. Donc objectif, oui, arriver à faire 10 répétitions, comme ça, 5 de chaque côté. Jambes bien tendues, talons hauteur de hanche au-dessus. Et on verrouille un petit lock, une fraction de seconde quand vous êtes en jambes tendues. Pour bien sentir la contraction, développer la force. Alors, étirement, je suis derrière, faire un petit exercice dynamique. Part en pince, pose les mains, bien, recule une jambe, et on s'allonge là, une étire sur la jambe tendue, revient, stretch au milieu, inverse les jambes, et on s'allonge sur la jambe tendue là. Chaque fois qu'on repasse au milieu, double pince. Et là, simple pince sur une jambe, double pince,
Simple pince sur l'autre jambe. Garde les deux pieds à plat, les jambes le plus tendues possible. Double pince au son. Simple pince. Double pince au milieu. Simple pince. Fais trois fois avec chaque côté. Fais cinq fois de chaque côté comme ça, avec à chaque fois une pince au milieu. Je vais en faire 10 au milieu. Et on redresse. Alors, le plus dur là dans les extensions d'une jambe, L-sit groupée, quoi, donc on fait des demi-L-sit hein, quand on a une jambe tendue, c'est l'amplitude. Hein, il va falloir sortir de la force dans le psoas, dans les quadriceps, dans la partie haute, là, dans le haut de la cuisse et dans les abdos. Alors, pour développer ça, on va faire une équerre debout statique. On va essayer de tenir 30 secondes aussi. En même temps, ça va vous aider aussi pour les squats sur les jambes, les pistoles. Hein. Il y a du transfert dans plein d'exos derrière. Pour les coups de pied avant, pour les arts martiaux. Tant ici. Cherchez l'horizontale avec la jambe. Il est marrant. Et on tire. Jambes à l'équerre, hein, là on vise l'équerre aussi dans cet exercice. Il est en assistance pour le L-sit d'une jambe en extension alternée sur les parallèles ou les chaises. Voilà. Seconde d'un côté. Pause. Fais le même de l'autre jambe. 30 secondes, je cherche la stabilité. Et la jambe à l'horizontale, hein, c'est vrai. Le but dans ce mouvement, cette posture, c'est de monter à l'équerre la jambe. Et tenir les 30 secondes, hein, ça va vous tanker, vous gainer les jambes bien comme il faut. Et énormément aider pour les L-sit après. Quoi. Et voilà, 30. Là, on stretch avec une pince assis, double ici, penche vers l'avant, hop, trente secondes aussi dans celui-là. Le plus loin possible. Maximum de souplesse. Et on va loin. Alors, pour le suivant, toujours aider aux équerres, exercice d'assistance. Essayez de trouver un support, oui, comme celui-ci. Soit à hauteur de votre taille, de vos hanches. Et là, pose une jambe tendue dessus. Et on va faire des petites impulsions, une série de 10 comme ça. Lève le talon, pose. Lève, pose. Essayez de reposer le plus légèrement possible. 5, 6, 7, 8, 9. Objectif donc arriver à faire cet exercice avec un support et qui vous permet d'avoir une pelle horizontale. Et là on monte un peu au-dessus de l'horizontale à chaque fois qu'on veut décoller le pied. En gardant la jambe tendue au maximum, donc on serre quadriceps. Hein. Donc pareil cette jambe. 1, 2, 3, 4, 5. Pause. Voilà.
allongés à la jambe tendue, vraiment debout. 30 secondes statique, trouvez de la longueur. On inverse les jambes et on repart pour 30 secondes là, bien de l'autre côté. Et redresse. Voilà. Un autre exo d'assistance. Alors là, on en met vraiment pas mal, hein, des mouvements d'assistance et des étirements entre les séries d'extension. Parce que c'est voilà, cette levée la jambe à l'équerre en étant tendue, hein, c'est ça le plus dur. Alors là, il va falloir renforcer toute cette zone, hein, qui est vraiment faible, hein, chez quasiment tout le monde, hein, tous les gens qui bossent pas ce genre d'exercice. On a le psoas, le quadriceps, la partie haute des quadriceps, et les abdos vraiment bah, faibles. Donc là, on démarre les deux jambes tendues, pieds joints. Je vais poser les mains à côté des genoux. Je fais rien, les épaules plongent légèrement vers l'avant. Alors cet exercice, ouais, on a les paumes à plat. On peut tendre les bras, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus loin que ça. Et à aucun moment, vous devez à aucun moment décoller les poignets du sol. Toujours garder les paumes à plat. Un bel appui. Solide. Donc là, pour valider ce mouvement, il faut avoir les mains à côté des genoux. Amplitude. Savoir que plus vous allez avancer les mains vers l'avant, plus l'exercice sera difficile. Mais là, pour le L-sit, ça suffit amplement de se contenter les mains à côté des genoux. Donc on est là. Et on va faire des levées d'une jambe, essayer d'atteindre le niveau du visage. Et plus vous êtes penché vers l'avant, plus il va falloir compresser fort, et plus c'est dur de lever la jambe. Tout simplement. On tend les bras, et on lève une hauteur de visage là. 1, pause. 2, pause. 3, pause. Vous voyez, pas trop rapide. 4, petit temps d'arrêt là-haut, pause. 5, petit temps d'arrêt là-haut, pause. 6, petit temps d'arrêt, pause. 7, petit temps d'arrêt, pause. Vous voyez, hauteur du visage. 8, j'ai toujours mes paumes bien à plat à côté des genoux. 9, et 10. Petite série de 10 comme ça. On reprend la position du sauteur de haie écarté. 30 secondes. Des stretch. Ouais. Bien loin. Étirement, allonger le dos maximum. Ok, côté, même chose. On va 0 et c'est parti. 30 secondes. Voilà, maintenant on va passer au cinquième niveau, cinquième option, hein, donc on monte en difficulté. On reprend les chaises ou les parallettes. Là,
Prenez l'écartement à peu près largeur d'épaule pour se sentir bien. Celui qui vous convient. On démarre en S et groupé. Et là, on va faire des extensions des deux jambes en même temps, puis ramener. On log bien quand on a tendu, on ne laisse pas retomber tout de suite. Hein, donc ça donne ça. Allez, temps. Amen. Un. Temps. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. 9 et 10. Objectif série de 10 dans celui-ci. Chaque répétition où les jambes seront en dessous de l'horizontale ne compte pas. C'est 10 répétitions équerre au-dessus pour valider ce niveau-là. Alors, exercice de souplesse qui vient juste derrière. Double pince dynamique, devient un peu plus corsé aussi, il faut de la mobilité. Par pied joint, debout. Plonge, expire, pince debout. Descend, monkey squat, pose les fesses, allonge, pince assis. Une, remonte. Transition, sans les mains si vous pouvez, donc dans la séance squat bébé, on a vu comment faire. Pike debout. Deux. Deux. Trois. Là, on pose les mains pour la pince, pour bien aider à étirer profond. Trois. Quatre. Si vous avez besoin de mettre les mains pour les transitions, hein, face au sol, accroupi, vous les mettez. Mais le but du jeu, c'est d'avoir une bonne souplesse pour pouvoir le faire sans l'assistance des mains là, pour la phase où on s'assoit, on se relève. Voilà. Et 5. Ok. Exercice d'assistance suivant. Donc là, on a fait un peu d'étirement. On se rassoit. Longe les jambes. Pose les mains. Côté des genoux. Donc celui qu'on a vu là, on levait une jambe en alternance, là on est dans la version dos. On va les lever les deux en même temps, en gardant bien les mains à côté des genoux. Objectif, atteindre les pieds hauteur du visage, au moins nez, bouche, hein, à peu près en amplitude, ça fera l'affaire. Ouais. Monte, pose, une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Récup, pince assis, statique, 30 secondes. Et on relève. Alors, exercice suivant. Avec le sol, on va amener les mains à côté des hanches. Pousser sur les bras, descendre les épaules vers le sol, donc les éloigner des oreilles en se grandissant, pour décoller les fesses. Ouais, là, dans cet esprit-là, lever les fesses. Poser. Une. Deux. Vous voyez, le bassin, les fesses sont derrière les bras. 3. 4.
5. De là, on en fait un tout dernier. La même chose, on va lever et tirer, pousser les fesses vers l'arrière le plus loin possible, comme si on voulait s'allonger en étirant vers les jambes. C'est faire une belle compression. En gardant les pieds posés devant, on va glisser au sol, lèvres comme ça, et on cherche à stretch là. 1, 2, 3, 4, 5. Et on repose. Bref, 5 bonnes secondes en compression statique là-haut. Ok, après ça, on va faire une pince contre le mur. Donc c'est la version la plus dure, là, des pinces. Hein. Il y a debout, sur les pieds, assis. La troisième variante, les jambes tendues contre le mur. Plaque les fesses contre le mur. Donc là, normalement, vous êtes arrivé à un niveau de souplesse qui vous permet de poser les fesses contre le mur. Et là, comme ça. Et de là, on presse. Poussez sur les bras, grandissez-vous. Et on tient la position. Voilà, c'est comme les autres pinces, hein, là, on essaie vraiment de se compresser vers les cuisses. Idem, une trentaine de secondes. Bon, là, j'ai oublié de lancer le chrono, mais c'est vous la tenez 30 secondes dans cette position. Et après, on en ressort. Voilà. Une fois que vous avez tout ça, niveau 6, arlette ou les chaises. Et on fait, cette fois, on tente le L-sit en étant surélevé. Ce qui va donner une petite marge de manœuvre par rapport à la version pomme au sol. Si vous n'avez pas les jambes complètement à l'horizontale, le fait de le faire en variante surélevée, ça vous donne une petite marge d'erreur. Ouais, je laisse le temps de peaufiner le truc. Comme ça. Donc le statique ici. En surélevé, sur les parallèles, les chaises ou des blocs, ce que vous voulez. Visez 20 secondes. On vise 20 secondes. Ici. On se plate, tend les jambes à l'écart et on tient. Donc, quand vous avez ça, elle s'est surélevée, hein, vous l'avez. Ce qui est déjà super. Continuez à le pratiquer donc, pour monter sur les 20 secondes, hein, faire pouvoir 4-5 tours comme ça. Les récup, stretch. Pince assis, toujours. Bon, on reprend souvent les mêmes étirements. Là, il faut en bouffer, hein, cela, plein. Ça doit en faire moins de 15-20, là déjà, on bouffe de stretch dans la séance, mais c'est normal. Donc 30 secondes, ici. Et on redresse. Voilà. On va faire un autre étirement d'ischio statique. S'allonge sur le dos. Voilà. Commence. Pose la tête au sol. Là, vous allez plier une jambe. Décoller une jambe, comme un petit
au low body, là, le léger lever de buste, omoplate à ras du sol. Vous attrapez ici et vous tirez vers vous la jambe. Vous tirez d'une main, garde l'autre sur la cuisse, la stretch. Idem celui-ci, trentaine de secondes. Bien étirer votre ischio. En même temps, mets un petit coup d'abdos en haut. Vous pouvez le faire aussi en posant la tête au sol. Pas d'importance. Vous levez un peu le buste pour aller attraper la jambe, et après vous pouvez reposer. Et là, on étire. Stretch de l'ischio. Permet de voir les décalages de souplesse entre les deux côtés. Ce qui est mon cas, on a tous un côté beaucoup plus souple que l'autre. Donc moi je suis plus souple en ischio de la jambe droite que de la gauche, donc vous allez le voir tout de suite. On est là, le chrono à zéro. Hop, tire. Ici. Après, repose. Alors, on va mettre un dernier exercice d'assistance là avant de faire le sit-in, le sol. C'est des petites impulsions du mitraillage double jambe. Sans chercher à aller trop haut, mais c'est rapide, tonique. Pose les mains à côté des genoux, penche un peu vers l'avant, contracte, là, et 1, 2, se reposer en bas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, et poser. Voilà. On se met debout, et de là, une pince debout, nouveau. Secondes. Et on remonte. Voilà. Ok, donc après tout ça, dernier niveau. On tente le L-sit par terre. Alors, pour se placer dans la position, c'est deux façons d'y aller. Soit vous levez les pieds en premier, puis les fesses, ou l'inverse, les fesses en premier, puis les pieds. Niveau force aisance, pour stabiliser la position d'entrée, et à économiser de l'énergie, je conseille de lever les jambes en premier. L'appui des mains, côté des hanches, pas derrière, jamais derrière. Si vous mettez derrière, vous ne leverez rien du tout. Donc, un peu devant, là. Partie du bassin, on amène au début de la cuisse, hein, au niveau de l'articulation, là, de la hanche, pour l'avant-bras, les deux côtés. Ce qui fait que les fesses plongent derrière. Dans les sites, on cherche vraiment à pousser les ischions un peu derrière les bras. Sensation de pencher un peu vers l'avant avec le buste, on ne le garde pas vertical. Protracte, on arrondit, là, on boule, tac, bien costaud dans les muscles, dans les tendons. Donc objectif de ce site, pouvoir le tenir 30 secondes. Donc là, avec toute la séance qu'il y a eu avant, je pense à être rincé, je vous le dis. Donc on va voir si je le tiens encore 30 secondes après tout ça. Les jambes et les fesses, c'est parti. Donc au sol, ça tolère quasiment pas d'erreur. Dès qu'on lâche les pieds, ils vont toucher par terre et c'est fini.
Et voilà, 30 secondes. Ok. Donc voilà, avec toute cette routine, en la pratiquant au début peut-être 2 fois par semaine, idéalement 3 ou 4 fois si vous voulez vraiment y arriver, en quelques mois, on arrive à tenir un sit au sol. Déjà 10 secondes, c'est pas mal au début. Comme j'avais montré dans une des vidéos précédentes, le L-sit, dès que vous le tenez 20 secondes, eh bien vous validez le niveau intermédiaire en calisthénie, en force abdominale, en gainage. Tant qu'on ne tient pas son L-sit de 20 secondes, on est considéré donc comme un débutant. Parce que je vous dis, ce qu'il y a derrière, c'est bien pire que ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Mais déjà, c'est un début, ça c'est des fondations. Prendre l'habitude de combiner de la force et de la souplesse l'un derrière l'autre. Hein, c'est vrai. On m'a posé la question, mais quand est-ce que tu t'étires? Ben, on va, début de séance échauffement, mobilité, donc souplesse. Pendant, entre les séries de force, on stretch, donc souplesse. Et éventuellement, à la fin, vous pouvez encore en rajouter, en bouffer un peu, hein, ça fait pas de mal. Donc c'est avant, pendant, après. Voilà, souplesse tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et plus vos ischios seront souples, hein, plus tous ces mouvements viendront facilement. Et pareil, hein, il faut aussi, donc, pour les personnes très souples, hein, les pratiquantes, je dis pratiquantes, surtout les femmes de yoga, qui ont du mal avec les vinyasa, les soit arrière, soit avant, les balances et tout. Vous faites de la force avec ce genre de séance. Et votre pratique de yoga ou de pilates à côté, elle va exploser. Comme ça, vous allez débloquer plein de trucs que vous n'arriviez pas à faire grâce à ces méthodes d'entraînement-là. On chronomètre les temps de maintien, on fait plusieurs tours. Et vous voyez, sur les différents niveaux, je vous les remontre. Sur l'exercice de force principal, niveau 1, L-sit groupé bas. Niveau 2, L-sit groupé haut. Sur parallèle, niveau 3, L-sit groupé haut, homme au sol. Niveau 4, demi-L-sit, extension d'une jambe en alternance. Niveau 5, extension double. Niveau 6, statique, L-sit en parallèle. Et niveau 7, le L-sit au sol. Pour chacun de ces 7 niveaux, je vous ai donné les temps de référence ou le nombre de répétitions à atteindre. Vous devez pouvoir le faire sur au moins 4 séries dans la même séance. Donc L-sit groupé bas, 4 fois 30 secondes. L-sit groupé haut, 4 fois 15 secondes. L-sit groupé haut, paume au sol, au moins 4 fois 10 secondes. L-sit extension alternée, 10 répétitions, 5 de chaque côté. Avec une belle horizontale. L-sit groupé double, 10 répétitions avec une belle horizontale. L-sit surélevé sur les chaises ou les parallettes, 20 secondes. Et après, on passe au sol, objectif au sol, 30 secondes avant d'attaquer. Je ferai une vidéo dans les jours à venir sur le straddle L-sit, c'est L-sit jambes écartées. Qui nécessite encore plus dur, hein. Donc celui-ci, le L-sit jambes écartées, là on est en plein dans les niveaux intermédiaires, en direction des niveaux avancés. C'est la même chose, hein, ça va être le même système, hein, dans les entraînements, vous verrez. Mais bon, on doit lever là et décoller ici, straddle L-sit. Et là pareil, celui-ci, l'objectif sera de tenir une trentaine de secondes, ce qui est beaucoup plus corsé que le L-sit pieds-joints. Mais ce n'est pas le cadre de cette séance, on le verra une prochaine fois. Donc voilà, pour une bonne routine, hein, si vous la suivez à la lettre, vous allez débloquer votre L-sit, hein, ça peut venir très très vite. Surtout, les personnes d'entre vous qui ont déjà la souplesse, vous n'avez plus que la force à acquérir, et ça viendra vite. Hein. En moins de 6 mois, 1 an, hein, vous avez un bon L-sit propre au sol, sans aucun problème. Par contre, si vous êtes raide comme un piqué, la développer la souplesse va être plus long, quoi, sauf si vous en faites 6 jours sur 7 dans la semaine. Et là, pareil, vous pourrez débloquer votre L-sit en quelques mois, moins d'1 an. Quoi.
Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut aller pratique. Donc ne pas oublier hein, les fondamentaux hein, de la séance abdos-psoas avec les roll-up, V-up. Maîtrisez ça en premier. Série de 15 V-up, bien propre comme je les ai montré dans la vidéo d'avant. Avant de vous attaquer à ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Si vous grillez les étapes, hein, vous allez droit dans le mur et vous allez stagner et progresser beaucoup moins vite. Donc ne grillez pas les étapes, prenez votre mal en patience et pratiquez voilà, correctement. Et là, vous irez vraiment très loin. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et à demain pour la suite.